Voilà, quand c'est fait, on va recliquer sur le calque et sur le masque. Voilà, on a donc un masque qui fonctionne et qui masque le tigre. Bon, bien sûr, il va falloir inverser en fait. Il va falloir inverser le masque puisque, bon, c'était plus facile de dessiner le tigre que de dessiner autour du tigre le décor. De dessiner le décor autour du tigre, c'était... Mais donc, voilà. Donc voilà la situation, dans la palette des couches, vous n'avez plus l'œil en face du masque. Dans la palette des calques, vous avez désactivé le... Ben, vous avez réactivé le masque en fait en cliquant sur lui, la croix rouge est partie. Bien, il faut faire un négatif sur le masque. Bon, le plus simple, c'est peut-être encore de faire Alt-clic sur lui, comme ça il s'affiche en grand sur l'écran. Vous voyez les pixels du masque. Alt-clic. Et puis vous allez faire un effet de négatif sur lui. Image, réglage, négatif. Le raccourci, c'est CTRL-I sur le PC, commence I sur le Mac. Donc Alt-clic sur le masque et puis un négatif. Image, réglage, négatif. Voilà, forcément, on a inversé le masque. Et ce qu'on voit apparaître, c'est le tigre. Logique. Si on a bien fait le boulot avec une brosse à bord floue, on doit quand même voir les poils de manière assez réaliste. Mais ça a été vite fait ici. Hein. Ceci dit, bon, ça peut passer. Une fois qu'il sera dans un décor, autre chose qu'un quadrillage comme ça, ça pourrait passer. C'est modifiable encore par la suite, évidemment. C'est ça l'intérêt.